Salut les Valjean, ici le grand, le seul, l'unique, Valmarsan, pour vous servir. Et nous sommes sur Tales of Zestiria. Donc, pour une raison que j'ignore, la manette ne marche pas. Donc j'ai appuyé sur entrée. Hein. Ouais, on va voir les paramètres de commande. Donc vous avez vu, j'ai choisi japonais. Hein, vive le Japon. Manette Xbox. Oh non, pas encore. Attendez, attendez, faut que je comprenne. Attendez, bon, je fais ça, ça. Alors ça, c'est retour. Alors attendez, retour, c'est rond. Initialiser, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Et donc, imaginons, je fais ça. Ah bah non, c'est comme si... D'accord, ok, 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 je n'ai rien dit, ça marche. Ok, ça marche. Élevé, tac, 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 tac. Niveau de détail, bah s'il vous plaît, élevé. Vous avez vu? Alors, sachez une chose. Pour ce jeu, j'ai pris tous les DLC. Non seulement les DLC que tu fais quand t'as préacheté le jeu, mais aussi les DLC qui sont sortis hier. Donc ça m'a coûté en tout... Alors le jeu m'a coûté 50 euros plus les 27, ça fait 77 euros pour ce jeu. Fermer les paramètres, appliquer les paramètres, oui. Et ben voilà, donc contenu à télécharger, j'ai pris tout ce qui était à télécharger, hein, normalement, tout est installé, tout est prêt, tout est ok. Donc avant de cliquer sur ça, je vais vérifier ça par exemple. D'accord. Oui, bah c'est ça, j'ai acheté les deux DLC qui sont sur le magasin en ce moment. Bon bah d'accord, ok, bon bah... Nous sommes d'accord, j'ai tout qui est ok, prêt. Vous êtes prêts? C'est parti! Ya! Vive les jeux japonais! Et ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, le 28 octobre, vous aurez Knight of the Fallen Empire. Pour moi, ce sera Day One, vu que ce soir, je fais la vidéo. Mais je ne pourrai pas vous l'envoyer, comme je l'ai expliqué, parce que je vais devoir attendre jusqu'à 1h du matin pour qu'elle se termine, et je pourrai pas l'envoyer dans la soirée. Donc voilà. Moi, je veux bien vous rendre... vous donner ce que vous voulez, mais bon, voilà. J'ai des délais, des trucs à respecter, tout ça. Bref, on y va. Nouvelle partie. Alors, difficulté des combats, alors simple, sympa et facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude des combats. Niveau de difficulté de base, je crois qu'on va laisser comme ça. Il finit le temps disponible. Long ou normal, bah on va dire normal. Sous-titres, bah on les active. Raccourci menu, définissez le menu en ouvrant avec RT en dehors des villes et des bâtiments. Ça va. Fichage de la carte fixe. Vitesse de rotation de la caméra, ben, je pense que ça ira. Tac, 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 tac. Sortie studio stéréo. Alors, la musique. On va la laisser à ce niveau-là. Volume des dialogues, tu me la mets comme ça. Ça, c'est bon. Ça, tu me le mets comme ça. Voilà. C'est bon. Ta, 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 ta. On vérifie. Alors, vibration de la manette. Ben, si, oui, s'il vous plaît. Que j'ai une sensation ou quoi quand je joue. Donc voilà, si jamais la difficulté est trop augmentée, bon bah je ferai une nouvelle partie et je ferai, voilà, vous avez compris comment ça marche, hein. Je baisserai la difficulté, hein. Mais là voilà. Normalement j'ai joué pas mal de Tales of sur la PS3, donc voilà, donc normalement je devrais pas trop être dépaysé. Donc c'est parti. Et, commencer à jouer avec ses paramètres de jeu, oui. Alors l'opening, je mettrai le nom de la chanson en bas. Doshi no densho. Harukana shinwa jidai. Sekai ga yami ni owareru to Izuko yori araware hikari o torimodoshita. Jidai wa utsurou tomo yo ga midareru tabi ni hitobito wa densho o katari. Tsukui o negau. その度に同志は姿を現し、闇を振り払ったという。しかし、平和が訪れると同志は姿を消した。彼らはどこへ？その答えを知る者はいなかった。いつしか。 人々の記憶から伝承の中へと消えていった。
世界を再び大湾としていた。同志の名が再び語られ始めた。だが未だ同志は姿を見せなかった。Et nous voici avec notre personnage. Alors, voir la synthèse. Ok, c'est ce bouton-là. Afficher la carte de la zone, je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Réinitialiser les caméras, ok. Raccourci menu, ok, c'est ça. Aide à la navigation, c'est ça. Action de sur la carte. Ouvrir le menu. Annuler, confirmer. Tac, tac, tac. Ok, ok, ok. Oui, bon, bah d'accord, ok. Hein, comme d'habitude, quoi. Dernière nouvelle, ça aussi, ça a pas trop changé. Partie des Séraphins. D'accord, ok. Oui, bon d'accord, j'ai encore un peu de mal, ok. Là, je suis en train d'apprendre, ok. Nous sommes d'accord, hein, je... Donc, menu. Mention auto exécuter automatiquement. Oui, ça c'est quand on n'est pas avec des gens. D'accord. De toute façon, ils vont me réexpliquer. Hein. Ah ouais, c'est comme ça, ok. D'accord, ok. Adopter une posture défensive pendant au moins une seconde pour doubler potentiel. Ah, la vache. Eh ben on commence avec un personnage plutôt soutien-défense, ok, d'accord. Niveau de l'équipement, j'ai rien, je suppose. Vous pouvez personnaliser votre équipement ainsi que votre titre. Chaque pièce d'équipement possède 4 emplacements. Vous pouvez obtenir... Ah la vache, il y a 3 méthodes pour activer les... Vous obtenez un exemplaire, le nom indique, équipé au moins une, au moins 2 fois pour activer une capacité spéciale. Obtenez ok. Il est toutefois possible de choisir son équipement en fonction de ses paramètres, mais encore identifié. D'accord, ok. Oui, mais je veux juste l'équipement, moi. Donc... Coureur à l'épée. Bon, nous sommes d'accord, ça c'est ce que je porte en ce moment. Et je n'ai rien d'autre. Ok, ça c'est bien. Parce que je sais, je crois qu'on va avoir un coffre spécial pour obtenir tous les trucs de DLC. Donc voilà, ça c'est fait. Talent de soutien, action en combat. C'est ce qu'on avait vu. Esthétique, lui. Ah oui, c'est les accessoires, mais j'en ai 3. Tant mieux. Stratégie, on verra ça une autre fois. Bibliothèque, ça c'est un autre truc. Système de sauvegarde et compagnie. D'accord, d'accord. Donc ça, c'était le menu. Alors, je sais comment faire pour faire ça. Ça, ce sera pour les actions. Et ça, c'est pour annuler. Bon, bah, ok. Alors, je crois qu'il faut qu'on parte dans ces directions, exactement. Excusez-moi des petits lags qu'il y a eu pendant la cinématique d'intro. Et c'est bizarre, on n'a pas encore vu l'opening. Bon, j'espère que c'est juste après, parce que quand même... Oh. Examiner. Oh. C'est une belle fresque avec une épée.
Eh ouais, je sais, c'est beau, hein. Un jour, toi aussi, tu veux le devenir, hein. Il a même le livre de légende. Alors, je sens qu'on est avec le premier de la classe. D'accord. C'est beau. ようやく見つけた。それ、僕は外れだったよ。ミクリオ、先を越されたね、今回は。 やっぱり、アスガード時代以前には同志は身近にいたんだよ。そう断じるのは早計じゃないか。何より、まだこの遺跡がアスガード以前のものか確証はないんだ。模造かもしれない。この規模の遺跡で、様式まで乗っ取った模造建築なんてしないんじゃないか。 Ah oui, c'est vrai, on a besoin d'un berger, tout ça, ouais. J'avais oublié. Sinon, je l'aime bien, Sorel. Non, tu crois? Quoi, on est en danger? Ouais, je sais, c'est super beau. Allez, on se casse! Oui, je suis d'accord avec lui, allez, on y va! En tout cas, notre personnage a une épée, ça c'est bien, j'aime bien quand les quand le héros a une épée. Et oui, j'essaie de vous laisser profiter du Japon, du japonais. Pour être un peu plus expressif là. Et d'une main, il releva son ami et tomba. Ouais, alors pour ceux qui se posent des questions sur la qualité graphique, tout ça, je vous rappelle que ce jeu peut être sur PS3 aussi. Donc... Au moins un qui se sert de ses pouvoirs. とっさの判断だったけど、うまくいったろ。これで貸し借りなしだ。これは地下に遺跡があったのだ。落ちたのに感謝だな。 En même temps... En même temps, des ruines, habituellement, ça cache un temple caché qui est sous terre. Alors, ruines du mont Babilonio. D'accord, c'est le nom de l'endroit où nous sommes. Enfin, j'espère, parce que je sais qu'on peut avoir des petites scénettes. Mais je ne sais pas comment on fait pour les activer, donc voilà. Ouais, c'est sûr, mais je ne savais pas que ces ruines étaient aussi grandes. Oublions les fouilles pour aujourd'hui, nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Ah bah t'es pas très causant. En tout cas, on va se le dire, c'est beau. Sérieusement, c'est super beau. Serait-ce le premier point de sauvegarde ? Sauvegarder la partie. Ah bah ouais ! Bon bah on va sauvegarder. Un premier coup. Sauvegarde des données réussies. Okay. Et je ne m'arrêterai que au prochain point de sauvegarde. Donc ça veut dire j'espère que dans 14 minutes on verra un autre point de sauvegarde. Ouvre-toi, porte! Je suis ton maître. Je suis un spécialiste des Tell-Off. Oh.
さっきも相当だったけど。石板あったし、気にしてらんないだろ。ああ、そうですか。Une fille! 倒れている。Bah oui, une fille. あのさ、ミクリオ。あれ、人間だ。Non, tu crois? まさか。待て。人間には関わらない方がいい。ほっとけない。まだ生きてんだから。あ。Laissez-moi deviner, vous êtes des espèces de dieux, c'est ça? わかった。僕も手伝う。とにかく、もっとあたりを調べよう。D'accord, un œil aux alentours. Oh, je ne vois pas du... Je n'ai pas du tout vu le passage pour passer de l'autre côté. Et je n'ai pas vu ce coffre que je vais tout faire pour essayer d'atteindre. Devons la rejoindre, et vite! C'est bien joli de vouloir jouer les chevaliers servants. Mais tu ne sauveras personne si tu te fais blesser, ou pire.Oh là là, mais quel rabat-joie ce mec! Les actions, en dehors, appuyez sur. Ken ga beto beto da. Kumo no suga ooi na. Nagai aida, dare mo ashi o fumi irete inai ndaro. Ok, on va jouer les labyrinthes. Hein?Évidemment, c'est sous plusieurs couches, alors qu'est-ce qu'il y a? Les araignées sont dans le coin! Que se passe-t-il? Là! Une araignée! Oh, t'as jamais vu! Une araignée! Oh, t'as jamais vu! C'est vrai!Lancez des... Ok. Lancez des arts martiaux avec B. Ok. Lorsque le mode de contrôle est réglé sur semi-automatique, vous courez vers votre cible jusqu'à effacer le B. Vous pourrez ensuite vous former. Il est possible d'acquérir... D'accord. J'ai l'habitude des contrôles de la PS, pas de la Xbox. Forcément, vous dites bien que je suis un peu paumé. Quoi?まさか、Kyoma? Non, c'est une araignée. Kyoma? 本当か? Non, c'est une araignée, vous reconnaissez quand même les arachnoïdes. 見てたけどね。なんで Kyoma なんてバケモンがこんなところに? Pour la dernière fois, c'est une araignée. 逃げる気だ! 忘れてないよね。ジージの言葉。ああ。Quoi, déjà un flashback?Bah dis donc, ils ont pas mis longtemps pour nous le foutre. Kyoma? Soja, Kyoma ja. Kegare ga munda osoroshii mamono ja. Yatsura o taoseru no wa tokubetsu na mono dake ga ayatsuru jouka no chikara no mi.D'accord. 二人とも氷魔に出会ったらすぐに逃げるのじゃ。忘れてはならんぞ。我らに氷魔を退治することはできないのじゃ。よいな。Ouais, mais bon, pas très courageux le papy.Même si on peut rien contre eux, on peut toujours essayer des trucs. Ça s'appelle de l'autodéfense. Ah ouais, maintenant que tu le dis, les zones ou pulls des élions dans les zones déclenchent un combat. Donner un coup d'épée à... Utiliser d'autres actions de la carte pour commencer un combat avec un avantage.
Résultat de combat, tac 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 tac, ok. Voici donc à quoi ressemble un Elion. Oui, et je doute qu'il soit tout seul. Nous devons sortir d'ici aussi vite et aussi discrètement que possible. Je suis d'accord avec toi. Un coffre! Des coffres au trésor. Vous pouvez... dans les donjons. Consiste à des caisses. Ouais, bon, bah ça va, comme tous les coffres, quoi. Bouclier d'oreille antique. Boucle d'arène. On raconte qu'elle confère... Ah bah j'ai pas pu lire la suite, puisque je ne sais pas comment on lit les suites. C'est qui, quoi? Un monolithe. Détection de points d'intérêt. La recherche éparpillée. Les monolithes sont des monuments en pierre, de laquelle sont écrits... quand vous en aurez trouvé un, vous pouvez consulter les registres. Vous gagnez des PA qui sont des réflexions en langue antique semblant permettre de conseils liés au combat. Arte, ok. Arte mobile, ok. Un PA augmenté. Et je crois qu'on pouvait avoir une conversation, enfin, je sais pas. Non, le coffre. Je l'ai médical. Tu ne mourras point. Peut-être pas les vaincre, mais on peut les assommer. Merci de participer. Allez, tap 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 tap. Et voilà. La chaîne spirituelle et l'énergie nécessaire pour créer des combos en combat. Son maximum est fixé à 100. Les actions comme les armes martiaux consomment une base vous rend vulnérable. Vous pouvez la remplir en ne faisant rien, en vous mettant en garde ou en vous déplaçant. Gardez un œil sur ces doigts, assurez-vous qu'elle ne tombe pas à zéro. Excusez-moi monsieur, mais je savais pas. Menu en tout cas. Alors, esthétique, je crois que c'était ça. Ah non. Style de jeune homme. Montrez-moi. Oh non, oh, oh, pitié. Merci. Ah, sauvé. Bon, attendez. C'est peut-être dans l'équipement alors. Ah, boucle d'oreille antique et boucle d'oreille antique, encore une fois. Bon, je mets celle-là, vu qu'apparemment, elles ont l'air mieux. Ah bah voilà. C'est lui que je voulais voir. Il y a des antiques. Bon, bah d'accord, lui, il a ses propres trucs. Et en esthétique, tiens, qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, que dalle, ok. Coupe de séraphin et comme ça. Oh non, meurt. Mais qui c'est qui leur a donné cette tenue? Allez hop. Ouvre-toi, Poporte. Ah oui, c'est pas avec l'épée. Alors ensuite, on passe par là. Il y a l'air d'avoir rien ici. On continue notre bonhomme de chemin. J'espère juste qu'on n'a pas raté le coffre. Qu'on a pas raté la... Oui, enfin le coffre qui est tout en haut. Jolie pomme en votre possession, c'est... Et main... Est-ce que je pourrais me déplacer? Hé, hey, comment tu fais pour m'avoir? Avec X. La garde. Merci pour les PM. Bah
vas-y, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi, frappe-moi. Yo, meurs. Oh, ça va, il a perdu quelques PM. Point de vie, plus vous perdez si vous êtes KO et si vos compagnons le sont, le combat s'achève sur une défaite. Oh mon dieu, donc il ne faut pas qu'on perde. Je lui redonnerai de laver plus tard. Oui, oui, ben... Il semble des informations fermées. Si on est par ailleurs, c'est vrai que c'est plus possible. Oui, bon ben... Un petit peu le but de tout à l'heure. Encore une sauvegarde possible et on voit que la mademoiselle est toujours de l'autre côté. Donc je sauvegarde. Il y aura deux sauvegardes. Ah! Elle est tombée dessus, c'est chaud. En plus, on avait une conversation possible, alors s'il vous plaît. Super, on va la voir après. Parce que je sais que tu peux rater des conversations et c'est plutôt important des conversations. Les petites scénettes, c'est toujours intéressant. さっきの人も雷にやられたのかな。順番が逆だ。あの人間のせいで雷が発生したんだ。さっきの雷、やっぱGジだよな。ああ、侵入者への警告だね。これ以上踏み入るなって。 Ouais, mais c'est un peu le grand-père. Yare, yare. Mezurashiku iroiro okoru hi da yo. Un mystérieux monolithe. Omoshiroi sekiki ga mitsukatta na. Kyou wa shukaku ga oi ne. Ano sekiki, iseki ni kurabete atarashikatta yo na. Ah, mattaku nendai ga chigatta ne. Naiyo, nanka 助言みたいだった。先にここを訪れた何者かが残した探索のしるべというところか。俺たち以外にもいるんだな、遺跡を調べてる人が。多分冒険家、探検家、そう呼ばれる人間だろう。探検家か。 J'aurais pu faire l'effort de me les faire apparaître avant, ça. Bon, on a encore une minute. Allez, ça va, allez. Quelques minutes supplémentaires pour la première vidéo, allez. Allez, allez. En une minute, je suis sûr qu'on peut aller sauver la demoiselle. Avoir un point de sauvegarde. Vérifions, vérifions. On passe le bonjour à Revclo, hein, qui, je crois qu'il fait un peu la tête du fait que je lui dis Wistar, on va mettre sur pause. Alors, notre objectif est là-bas. Mais nous voyons qu'il y a autre chose. Merde. Alors attends. Parapluie, faites un parapluie, vous pouvez. D'accord, ok. Ça je savais déjà, merci, je connais très bien les tests off. Merci beaucoup. Ah ouais, mais ça consomme des. Ça consomme de l'endurance. C'est comme ça qu'on va appeler ça pour le moment. Niveau plus 1, c'est bien, vous voyez, la maîtrise du titre. Course libre, utilisez LM pour courir librement et vous positionner comme vous sautez sur le champ de bataille. Bah ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Alors attendez, si je fais... Non, là c'est... Oui c'est vrai, c'est pour les combats ça. Oui, bah ok, ça va, oh. Ouvre-toi, coffre. Diadème. Donc c'est pour lui, là. On l'a compris, oui, oui, oui. Et le nouveau diadème, voilà. Capacité bonus, union... Ouais, mais t'inquiète, je connais ça. Là, d'ailleurs, bah, voici à quoi ressemble un aiguillon. Donc ça, nous l'avons déjà fait. Allez, l'objectif est juste là-bas, on trouve le premier point, enfin le prochain point de sauvegarde, et c'est tout.
remplir pas mal de coffres quand même. これって…ああ、なになに？僕が預かっておく。夢中になったら止まらないからね。無事戻れたら、ちゃんと返すさ。Ah, ça doit être les trucs de DLC. Ça doit être les trucs de DLC. Donc attendez, je vérifie que... Tu crois qu'il y a un autre moyen d'atteindre l'autre côté? Il doit bien y avoir un autre moyen de traverser. Cherchons des indices. Ok, let's go. Perfection... plus vu de infliger des dégâts. Cette option n'est pas recommandée. Il n'y a pas de faire de... Ouais, bah ça je le savais. Bien sûr, il est parfois intéressant de jeter toutes ses forces comme un ennemi et de tourner l'important si discipliné. Oui, bon bah ça je le savais déjà. Piole de résurrection. Ah voilà, comme ça si jamais il y a un gars qui est assommé, on sera. Et on va quand même pas sauter. Bon bah si, hein, on... Oui, c'est vrai, hein. On est chez les japonais. Yappa muri da. Abune. Odorokaseru na yo. Warui warui. Et comment on fait alors? Yahari kochira kara wa ikenai ka. Kozou jou tsunagatte iru hazu da. Ma, modotte shirabete mi yo. Je sais pas. Oh, il y a un petit passage par là, d'accord. あれってどうしたの？うん、あれ？もっとよく見てみる？時間が惜しいんだ。回りくどいのはなしにしてくれ。よっ、ほん、説明しよう。これはやっぱりいい。下に行けばわかる。まったく負けず嫌いだな。D'accord, donc ça c'est en fait l'aller-retour inutile. Par contre, ça, ça m'intéresse. Lavande augmente. Et page suivante, c'est ça. Ça également. Bah voilà. Bon, si tu pouvais te pousser. Tu as trouvé la solution, Michelo. C'est trop tôt pour le dire, continuons. Ouais, bon, en gros, faut redescendre. On va combattre à boss. Puis patati, puis patata. Allez, on se dépêche. Ça fait quand même pas mal de temps que nous sommes là. Hein. Donc on aurait raté un truc. On aurait raté un truc. Mais attends, là il y avait comme un truc qui arrivait à tenir en l'air. Ça c'est suspect par exemple. Et si en réalité on pouvait passer de l'autre côté? Le passage est invisible. S'il y a un excellé qui monte jusqu'en haut, qui aurait pu croire qu'on pouvait marcher dans les airs ici? Bah c'est ça. Masaka kuchuu o arukeru nante na. Seikaku ni wa toumei no hashi da kedo ne. Oui, bon bah c'est pareil. Hito ga noreru no kana? Nanda? Kyou wa myou ni saeteru ne. Kyou wa ne. Ça, c'est de la première vidéo. Tu as trouvé un pont invisible. Les points de découverte. Les points de découverte indiquent un endroit marquant d'un lieu. Il en existe un par zone. Lorsque vous êtes à proximité d'un de ces points, utilisez R pour un clin d'œil aux alentours, un point de sauvegarde, donc quand vous le cassez, vous êtes parfois invité à appuyer sur la touche back en l'air pour écouter les conversations. Et ben voilà! C'est vraiment incroyable, ce pont! Comment ça s'est passé? Ce genre de chose, c'est pas possible de créer avec l'humain. Donc, ce pont est juste comme un pont de Kamiyo de l'époque? いずれにせよ、僕たちのようなものに頼んで力を借りたのは間違いないだろう。
そこまでしてあっち側に人を入れたくなかったんだ。この先は井槌に繋がってる。聖域を守るためには当然とも言えね。昔神殿へ祈りに訪れた人々も断崖を渡れないと思い込まされたんだろうな。さっきまでの僕たちのようにな。けどよく気づいたね、スレイ。君の直感にも感心させられるよ。でしょ、スレイ。ごくごく稀にね。えい、褒めてくれたと思ったらこれだ。え、ça commence bien, tiens, la petite équipe. Donc je vais aller sauvegarder. Alors attendez, est-ce que je peux avoir une dernière conversation? Je pense que je peux lui parler. Il m'écouterait si je disais non. Ils sont marrants ces deux-là, faut le dire. Allez hop, on sauvegarde et cette fois-ci ici, parce que oui, il est toujours conseillé de faire deux sauvegardes. Sauvegarde ici, ok, eh ben on va s'arrêter là les Valjean. Donc sur ce, à plus, portez-vous bien, mangez les coquilles, vous connaissez la suite, et ciao ciao. On se retrouvera pour une prochaine vidéo.